les Britons se sont précipités pour défendre le prince Louis après que le jeune royal ait été critiqué pour son comportement lors des célébrations du jubilé. La famille royale a conclu hier un week-end prolongé de célébrations particulièrement chargé pour le jubilé de platine de la reine. Les adultes n'étaient pas les seuls à passer des heures lors d'événements, constamment à la vue des caméras, et à saluer des foules gigantesques. Les enfants ont joué un rôle primordial, le prince Louis attirant une attention particulière sur son rire et ses expressions. Dans un moment particulièrement accrocheur et typique de l'âge, on pouvait voir l'enfant de 4 ans souffler des framboises sur sa mère, Kate, duchesse de Cambridge. Cela a provoqué une mini-vague de critiques sur Twitter. L'utilisateur @bostonian7019 a écrit « Je me fiche que Lil Louis n'ait que 4 ans. Il est apparu comme un morveux, se comportant comme il l'a fait. » Ils ont ajouté que le jeune prince n'aurait pas dû être au concours, notant, pour être honnête, je pense que les enfants de Cambridge ne devraient pas être vus en public avant d'avoir au moins 21 ans. Point. @sunisia est même allé jusqu'à suggérer le prince Louis sera le nouveau prince Harry si la monarchie est toujours là. Ils ont dit, vous pensez que le plus jeune fils d'une famille qui parle sans cesse du rôle de George et William et Charles ne le remarque pas. Alors vous ne comprenez pas les enfants. Vous pouvez déjà le voir, @terealpeteroin a ajouté. Que devons-nous penser du comportement bratty du fils du duc de Cambridge, le prince Louis? Je sais qu'il n'a que 4 ans mais, il semble avoir une certaine arrogance qui n'augure rien de bon. Peut-être que je suis ridicule. Je dis juste. D'autres ont insisté sur le fait que les critiques étaient, en fait, ridicules.